C'est quoi? Mais non, mais dis pas, sinon c'est plus un cadeau, hein. En même temps, je supporte pas que c'est la mode, hein, et j'adore les massages. Féru de Clermont-Ferrand. Atelier de Neumarin. Puis dégustation de bleu d'Auvergne. Et descente en rappel le long d'un volcan, mais ça fait peur, ça. C'est-à-dire... Ah, en 30 minutes. Ah, d'accord. Donc, tout ça en 30 minutes. Mais je sais pas quoi dire. Dois-je vraiment te remercier? Merci. Merci, Richard. Merci. Oh, mon Dieu, on truc, on dirait un sécateur. Ah, c'est un sécateur. D'accord. Pour le jardin que je n'ai pas, donc. Et pour mon jardin secret. Ah, non, non, Richard, c'est pas drôle, non. Non, c'est pas drôle. Bon, il est où, papy, là? Il est à la tirette, il a tiré de l'argent, quoi. Il a tiré de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Oh, quelle aura! Mais qu'est-ce... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Un tout petit animal? Un tout petit... Un cochon d'Inde? Un cochon d'Inde? Mais vous le faites exprès ou quoi? Vous le savez que j'ai pas le feeling avec les animaux qui mettent mal à l'aise. Mais comment ça, un compagnon de vie? Non, bon, elle est où, l'enveloppe, là? Il y a une enveloppe, qui a l'enveloppe? Excusez-moi. Personne n'a remarqué que j'étais à la ramasse niveau financier et que j'étais à deux doigts de voler le pain et le beurre à table? Mais non, je le prendrai pas! Je toucherai pas, j'assumerai pas ce cochon d'Inde! Pas chez moi! Non, mais c'est dingue l'injustice, hein. Comme ma famille a beaucoup d'argent, on pense que j'ai hérité, que je suis à l'abri. Eh oui? Eh ben non. J'ai juste hérité d'un gros cul et d'un stylo et je me suis mise au boulot. Voilà. Donc, comme si c'était déjà pas assez, il continue. Ah, mais oui, parce que qui dit 25 ans dit quart de siècle. Donc, instant débat. Donc, pression. Donc, relou. Donc on me pose 1000 questions auxquelles je ne peux pas répondre, étant dans une situation précaire, mais artistique notoire. Non, mamie, non, je sais pas où je serai dans 20 ans, non. Mais toi, je sais. Non, tonton, non, j'ai pas de mec. Non, j'ai plus de mec. J'ai pas de mec, non, mais oui. Ah, mais toi, oui, il me semble, hein. Toi, t'es... Oui, non, papa, voilà, oui. Si j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant non plus. Non, voilà. Oh, exactement, mon petit bout, j'aurai donc mes règles le mois prochain. Oui. Non, j'oublierai pas, tata, c'est mieux d'avoir la grosse tête qu'un gros cul. Non, mais mamie, si j'ai pas dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai pas dans 30 ans non plus. Mais oui, maman, tu crois quoi? Si vous m'aviez laissé le temps, je me serais lavé les cheveux, hein. Et les dents, bon, et tout ce que tu veux, d'ailleurs. Alors, évidemment, au bout de 5 minutes et 6 remarques, je me mets à chialer. Plein mes livres de poche, sur ma robe une goutte, posée comme une broche, quelques grammes de sel, dans l'eau douce des piscines, ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus, même quand il ne pleut pas, il pleut sur mes genoux, au fond des cinémas, des auréoles bleues, dans mon journal intime, ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit pousset, je sème des étoiles mouillées. Me suivront ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés. Sur le lin de mon lit fleurissent des doubles croches, sur mon parquet verni des océans de poche, quelques grammes de sel dans le vase des glycines, ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus au milieu de l'été, il pleut sur mes genoux à l'opéra Garnier, des auréoles sombres attaquent mes magazines, ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit matin, je sème des gouttes de rosée. Me suivront ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés.